Hello, everyone. This is a newspaper, a French newspaper, Le Monde, and it's an article that is about the Sudan. Au Sudan, c'est aux Africains d'éviter la guerre. So I will show you this article, and then at the same time you will hear it. And this is the English translation here. In Sudan, it's up to Africans to avoid war. And then I try to show it at the same time. And this goes much farther than here. This is only the front page. The article goes much, but I will stop here at the bottom. So let's go. Au Soudan, c'est aux Africains d'éviter la guerre. Moins d'un an après l'indépendance sudiste, les deux pays sont au bord d'une guerre totale. Jean-Philippe Rémy. Pendant que la tension internationale est occupée par la bande saharienne, avec le Mali comme point névralgique et Al-Qaïda au Maghreb islamique en invité surprise, le Soudan, ou plutôt les Soudans, semblent en profiter pour s'engager dans une guerre en bonne et due forme. Le conflit menace depuis que le Soudan du Sud existe-t-il depuis le 1er juillet 2011. Jusqu'à présent, seuls des groupes rebelles affiliés aux deux capitales, Khartoum et Juba, s'affrontaient dans des régions isolées. Et ces combats suscitaient de nouvelles séances de négociations encadrées par les partenaires internationaux du Soudan. Désormais, les deux armées s'affrontent directement dans des zones pétrolières, dans le centre du pays. On ne peut pas dire que le Soudan n'a pas bénéficié de médiation internationale depuis une décennie. Avant la séparation nord-sud, le pays comptait deux missions de maintien de la paix internationale et la Chine, acteur central du secteur pétrolier, est pressée de calmer les deux capitales soudanaises. Mais la décision de passer, ou non, à la guerre ouverte appartient aux responsables politiques et militaires des deux Soudans. Or, Khartoum appelle à la mobilisation générale et affirme vouloir armer de nouvelles milices, une pratique responsable d'une grande partie des victimes de ce conflit. On connaît, pourtant, le potentiel destructeur d'un tel conflit. Les pays jumeaux sont riches de promesses, de pétrole notamment, et de catastrophes terribles en cas de confrontation. Entre 1983 et 2005, la Seconde Guerre civile a fait plus de 2 millions de morts. Revenir à l'affrontement ouvert, c'est aussi prendre le risque de voir la corne de l'Afrique s'enflammer. Fini, alors, l'espoir de voir l'Éthiopie et le Kenya se transformer en producteurs de pétrole, tandis que se construisent oléoducs, chemins de fer, autoroutes et infrastructures dont cette partie de l'Afrique a grand besoin. Que font les pays de la région, tandis que le Soudan s'embrase à nouveau et menace de mettre le feu à la maison Afrique? La médiation de l'Union africaine est dépassée par les événements et biaisée par l'idée qu'Omar al-Bashir, le président soudanais poursuivi par la Cour pénale internationale, est victime d'une conspiration occidentale. Que le même pouvoir organise des milices et cherche l'appui de l'Iran dans la perspective d'une reprise d'un conflit où les populations civiles ne seraient pas épargnées, devrait pourtant faire réagir le club des dirigeants africains. L'heure n'est pas à la victimisation, qui permet de fermer les yeux sur les agissements de ce pouvoir au motif que le reste de la planète joue ses intérêts en Afrique. D'urgence, le continent doit faire pression sur les dirigeants de Khartoum et de Juba pour les empêcher de courir vers le suicide, que serait une véritable guerre. Portée par sa croissance économique, l'Afrique est en pleine mutation. Ses dirigeants doivent avoir le courage politique de faire le ménage dans leur voisinage. Les frères ennemis soudanais,